monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on est vraiment très contente d'être avec vous et de tourner cette vidéo. Super contente de vous retrouver, ça fait un petit moment et ça fait plaisir de vous retrouver. Donc avant de commencer cette vidéo, on voulait vous souhaiter une très très belle année 2022. Alors plein de santé, plein d'amour et que tous vos projets se réussissent. Une très belle année pour vous. Et puis pour cette vidéo, donc il s'est passé pas mal de choses dans notre vie professionnelle. Donc on voulait vous expliquer tout ça avec cette petite vidéo. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis Nadine et moi Nadège. Nous sommes entrepreneurs dans la mode et nous gérons un e-shop de vêtements vintage en ligne. Ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses pour nous professionnellement et on voulait vous l'expliquer. Oui, donc on voulait vous dire que depuis septembre 2021, donc Nadine et moi, on a eu la chance d'intégrer un incubateur de start-up. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un incubateur de start-up, donc je vais vous donner la petite définition. Donc un incubateur de start-up, donc c'est une structure d'accompagnement qui aide les entrepreneurs comme nous, les porteurs de projets ou les entreprises à développer une entreprise dans le modèle start-up. Et donc quand on dit start-up, donc c'est un modèle qui intègre une idée ou un projet avec une innovation technologique. Et donc c'est ce que nous faisons actuellement. Voilà, donc en ce moment on est en train de développer une idée un petit peu plus tech. On reste toujours dans notre secteur d'activité, donc le vintage, donc ce nouveau projet, voilà, il est lié au vintage. La solution technologique à gérer avec notre incubateur plus notre e-shop, ça faisait vraiment beaucoup de choses à gérer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas présente sur YouTube pendant quelques mois. On en est vraiment désolée. Mais aujourd'hui, donc on arrive avec une nouvelle organisation, on arrive avec une nouvelle façon de travailler. Une nouvelle énergie, de la force. Voilà, et du dynamisme, donc on est très très contente de revenir. Cette petite pause, elle a été vraiment bénéfique pour nous. Voilà, elle nous a permis de reposer notre projet à plat. Voilà, le projet de cette chaîne YouTube, le contenu qu'on vous propose pour cette chaîne, et ben de nous centrer sur l'essentiel. Au fil du temps, à force d'avoir une chaîne qui était un peu généraliste, où on parle de mode, où on parle des tendances, et ben on s'est rendu compte en fait qu'on avait oublié un peu notre ADN. Nous, notre ADN, c'est vraiment la mode vintage. Et on s'est dit, mais franchement, c'est dommage de ne pas se centrer directement vers ça. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait toujours proposer du contenu mode, mais on va l'orienter, on va l'axer plus vintage. Ah. Ça me fait penser un peu à ce qu'on faisait aussi, ce qu'on vous avait proposé pendant cet été où on faisait des lives. Oui. Et qu'on avait fait des lives sur le vintage qui avait vraiment pas mal marché et que c'était vraiment intéressant et qu'on a vraiment aimé échanger avec vous par rapport au vintage. Et on va plus se calibrer sur quelque chose comme ça. C'est vraiment se recentrer sur notre ADN. Sur notre ADN, sur ce qu'on aime faire. Et puis maintenant qu'on a ce volet aussi de nos vies qui est l'entrepreneuriat, donc on s'est dit qu'on allait aussi vous montrer les coulisses de notre entreprise, notre quotidien, notre lifestyle, comment on gère notre e-shop, comment on gère avec l'incubateur. Donc ça, c'est vraiment une partie qu'on a vraiment envie de montrer. Oui, c'est vrai que dans le sens où se dévoiler un peu plus sur YouTube, dévoiler un peu plus nos projets, vous parler un peu plus de nos projets, nos envies et de vous inclure aussi de ce fait plus dans la vie de cette chaîne aussi qui est la vôtre, hein, parce qu'on propose du contenu et on aime bien quand vous le regardez et que ça vous plaît. Donc c'est aussi un peu plus échanger avec vous, nous connaître un peu mieux, pas juste être là, mettre la vidéo et puis basta. Et ça aussi on le prend en compte, c'est-à-dire que votre avis nous intéresse. Ce que vous aimez nous intéresse et on aimerait bien aussi avoir votre avis par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi pour cette chaîne? Qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer? On serait curieuse de savoir ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle orientation. Donc des avis pour notre chaîne, des avis pour cette chaîne que vous appréciez. Donc nous, ce qu'on aime, c'est parler de l'entrepreneuriat. On avait déjà fait une petite vidéo un petit peu sur l'entrepreneuriat. Voilà, pour donner des conseils. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui nous regardent et qui aimeraient entreprendre, savoir comment on fait. Donc on aimerait bien faire des sujets sur cette thématique-là. Donc vintage à fond. À fond, à fond, à fond. Entrepreneuriat à fond. Et bien on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas nous, ça nous a fait plaisir de revenir sur YouTube, de vous faire cette vidéo.
On se tient au courant dans les commentaires. Voilà, dites-nous un peu votre avis sur tout ce qu'on vous a présenté. Et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour une vidéo mode axée un peu plus sur le vintage. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!